D'accord, la pub qui se lance en même temps. Ah, moi je l'ai pas parce que comme je suis le propriétaire de la chaîne, il me considère comme un sub, donc il n'y a pas la pub quand t'es sub. On le sait que t'es qu'un sub. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est. Pour nous, ça n'influe en rien, mais quand tu regardes un streamer qui est partenaire, il faut enlever Adblock parce que du coup, ça compte comme si tu avais vu les pubs sans te les montrer quand t'es sub. D'accord. Le sub t'enlève les pubs de base. Alors j'espère que ça va se baisser parce qu'il y a 48% de frames perdus. Bah, au début, ça le fait souvent, j'ai remarqué. Puis là, il n'y a pas vraiment de saccade. Parce que même la dernière fois, tu avais beaucoup de frames perdus, mais en soi, ça faisait que des petits. Genre, il y avait des petits passages de 2 ou 3 secondes qui avaient une frame sur deux. Mais tu sais, ça s'arrêtait pas. Ah Donc, merde, je suis pas en dark c'était mode. trop chiant. C'est en haut à droite que tu l'actives. Mode sombre. Bonsoir. Oui, joyeux Noël. Oui, salut. On voit pas le jeu. Bah, c'est parce qu'il n'est pas encore là. Ça doit jouer, non? Vous venez quand pour les bières? Mais à quel endroit? Est-ce qu'on est loin? Et même si t'es pas loin d'une personne, tu seras loin de l'autre. Bah oui. Voilà. C'est un très beau gameplay, n'est-ce pas? Paris? Ah bah ouais, tu nous payes le voyage? On se retrouve avec Gonesse. C'est Connais qui ça? pas. Allez, hop, on coupe la musique. Tu t'en es sorti avec The Witcher 3? Non. Quoi, t'es bloqué? Je suis bloqué par l'ennui, ouais. Tu fais pas d'effort. Ah non, mais je crois que je vais juste pas le continuer parce que bon, c'est, y a pas moyen, je croche pas. Mais ce qui est con, c'est que ça donne. Je me doute que c'est pas le cas, mais ça donne l'impression que t'as décrété que t'aimais pas. Ah non, mais j'y peux rien, je n'accroche pas. On se fait chier. Que c'est sans avoir eu le comment dire c'est le truc qui t'accroche au jeu à fond, je le trouvais pas chiant pour autant perso, alors que je trouvais chiant le 1. Mais en même temps, le vin est chiant quoi qu'il arrive. Hein, Mais je crois que même de l'aveu des fans, il est chiant. Oula. Alors attendez, je crois que le son est un peu fort. Essaye de parler un coup pour voir. Attends, parce que du coup, moi j'ai toujours pas lancé. Je voulais lancer le redirect, puis je suis passé faire autre chose et j'avais toujours pas lancé. Attends, parce que là, on t'entend presque pas, toi. Ah, du coup, faut que j'aille changer les trucs du live YouTube. Bah oui. Ouais. Vite. Essaye de parler, vas-y. Oui, je parle, bonjour, je suis là, je vais sur les trucs YouTube. Voilà. Normalement, le son il est bon pour nous deux, là. Allez, putain, qu'est-ce que c'est lent? Bon, les autres, ils arriveront encore de route. Alors, je me rappelle plus bien ce qui s'est passé, mais on s'est transformé en statue Inca. D'accord. Alors, faut sûrement Oh parler à putain. machine. J'aime bien quand tu veux faire les trucs dans l'urgence, mais que le site de YouTube est lent du cul, mais dernier degré. Oula, mais qu'est-ce que c'est? J'ai cru que ta venue n'était qu'une vision, mais tu es là.
les dieux. Ils ont répondu à nos prières. Tais-toi, Commer. Quel est ton rang? Pardonne-moi. Je m'appelle Tétéo. Je suis l'oracle du village. Si les jeux te déçoivent, va lire les livres, ils sont excellents. Mais j'en ai marre des gens qui me disent ça. Mais je m'en branle, j'ai pas envie de lire un bouquin, j'ai envie de jouer à un jeu. Je vais pas me consoler en allant sur les bouquins. Pourquoi surtout quand ils sautent un connard alors. La violence. Il répare le village, grand homme. Ah bah le mec est... Et qui nous protège de Quetzal. Le mec il est clairement, comment dire, psychorigide. Hein. Car nous sommes qui peu nombreux. Bah l'auteur. Ah oui. Ah non, c'est des jeux, c'est pas intéressant. Ouais, c'est ton univers, connard. La plupart de tes fans viennent de là, alors respecte. Bonsoir. Bonsoir à toi. Attendez, je remonte un peu le son. Je suis l'oracle. Non, c'est Tétéo. Alors, parle-moi du village. Ce village, pourquoi me convoquer? C'est Quetzalcoatl, saint homme. Il est de retour. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il siège aux cieux, sur son trône majestueux, pas dans ce triste tas de fumier qu'est ton village. Non, homme sacré! Il est vraiment de retour, comme le dit la prophétie du mur de tristesse. Alors, parle-moi de ce dieu. Si tu dis vrai, il faut que je le vois. Où est-il? Debout. L'émi était facho, ça l'empêchait pas de faire de la bonne musique. D'où il est facho, l'émi? Il se sert de sa machine pour libérer le sang de la terre qui nous tuera tous. Alors, temple, parce que j'ai même pas suivi ce qu'il m'a dit. Le temple du jaguar est toujours debout? Oui, il a résisté à l'inondation et à l'éboulement des rochers. Quetzalcoatl veut faire fondre chacune de ses pierres avec le sang de la montagne en colère, en détruisant ce qui reste du village. Ok. Votre comte parle des guerriers automites écrasés. Où sont-ils? On m'a dit que c'était un gros facho. Les a abattus. Ah bah oui, mais exact. C'est pas parce qu'on t'a dit. C'est pas parce qu'on t'a dit un truc qu'il faut décréter que c'est vrai. Par sa cruelle magie. Leurs ombres, elles ne peuvent plus se battre sous ces nouvelles formes. Non, homme sans peur. Ce ne sont que des âmes perdues. C'est à cause de ce genre de raisonnement que les gens pensent que Macron est sympa parce que la télé l'a dit. Leur impuissance face à leur ennemi les ont rendues folles. Elles hurlent leur folie de leur voix de fantôme. Ok, ça m'a bien avancé de parler à machine. Alors, eux, c'est juste des gens qui prient. On va essayer d'aller par là. En même temps, il n'y a pas 36 000 solutions. Pourquoi il y a un espèce d'hologramme de mec en 4 frames là? Ah bah il est parti. Ah bah il est revenu. Mais faut aller où? Ils ont honoré Quetzalcoatl avec cette statue et ils les remercient par la destruction. Ah non, c'est pas Quetzalcoatl ça, c'est un serpent normalement. De quoi, un Quetzalcoatl? Oui. C'est pas... Il me semble que c'est pas qu'un serpent, mais... Bah c'est un serpent à plumes. Bah, après là, vu la statue, oui, non, c'est pas ça. Beaucoup mais, ont été sacrifiés à cet endroit. Certains pour le bien, d'autres pour le mal. Il semblait que c'était plus... qu'il disait serpent, que c'était plus un lézard, mais... On m'a dit que Helix est un gros machin avec un gros bâton. Quoi? Je crois me rappeler qu'il disait des conneries là-dessus, sur le live de tout à l'heure. D'accord. Oula, c'est quoi ça? Idiot! Tu ne peux pas me toucher! La mort m'a donné tant de pouvoir! Les âmes des crânes rasés, autonomie, alimentent ma magie! Un cocotier unijambiste nous dit, c'est vrai que ça doit être. Il est trop puissant! Je dois trouver un moyen de le détruire! Je peux peut-être trouver un talisman magique par ici! Ah bah, c'est bien comment. D'un seul coup, il fait le raisonnement dans sa tête et c'est le truc qu'il faut faire. Bon, faut trouver un talisman magique pour contrer le grand méchant sorcier. Mmh.
du jaguar. Alors, je dois trouver le sang qui coule d'un cœur, mais d'un cœur qui ne saigne pas. Je fais comment? Tu... Non, mais c'est de la merde, cherche pas. Quel grand totem. Quoi? Le chemin est bloqué. Peut-être. Bonsoir, monsieur Nours. Salut à toi, monsieur Nours. Putain, le mixage sonore, c'est un délice. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, il fait trop flipper ton Lenny's Face là. Ah, moi ça allait. Il a un peu foiré là, franchement, il fait peur. Et ça a eu. Daetrius qui devient un sub. Un sub, bienvenue. Merci pour le sub. Et ce n'est même pas un prime. Pardonne-moi, ô homme saint, de ne pas t'avoir montré le respect que je te dois. Ah, mais je suis brisée par le chagrin de la mort de mon mari. Il est mort en combattant Quetzalcoatl. Qui était ton mari? Il s'appelait Tepiktok. C'était un guerrier, mais aussi le meilleur pêcheur du village. Il vivait des cadeaux de la mer et vénérait la déesse de l'eau. Il aimait les murs frais du temple de l'eau. Et il y passait souvent des journées à méditer et à prier. Oh, quelle vie chiante, passer sa vie à prier. J'ai vu que le temple de... Imagine si les gens faisaient ça en vrai. Oui, par la volonté du mal. Alors, Xavot, d'une interview de Lémy, il dit « Je suis athéiste, anarchiste, anticommuniste, antifasciste. » Bon. Donc... Voilà, il aime pas les extrêmes. Un bol en cuivre vide. Il a dû servir à des sacrifices. Prends le bol. Voilà. Ah, d'accord, j'ai un bol. En fait, c'est... Les gens pensaient ça parce qu'ils s'étaient intéressés à Hitler, mais à ce à quoi il a répondu, comment tu ne peux ne pas t'intéresser à Hitler dans le monde dans lequel nous vivons. Tiens, pas mal. Vieille femme. Ah, une vieille. Est-ce qu'elle va être mal doublée? Ah oui. Ah, une boule. C'est marrant, j'ai prévu qu'elle allait être mal doublée. Pourtant, à ce point, je n'en vois pas l'utilité. C'est parce que c'est un personnage très secondaire. Donc il est obligatoirement mal doublé. Putain, elle ressemble à un perso dégueulasse de Fallout 2. Je suis Olmec. Je me bats pour les dieux. Bonjour avec trop de haut, Zorkanalas. Salut. Quel homme serait assez fou pour épouser ta langue acide? J'ai regardé le dernier Jean-Marie Le Pen Giving, je suppose. Il était énorme. Pas vu. J'aurais peut-être pas l'heure. Je sais que c'est sur Star Wars, mais... Bon, c'est un peu chiant, donc je... voilà, on abrège. Je vais bien, j'ai reçu un cadeau de ma copine, un serpent, ça va devenir un zoo chez moi. Moi chez moi, maintenant, on a bien... Deux rats et un iguane. Du truc de montage de psychose. Mais ça fait un moment, oui. Où sont tes deux fils? J'ai appris ça tout à l'heure, là. Ici, il y a une demi-heure en regardant la vidéo de Gibbs. A fracassé leurs os comme si... Cram, vieille, calmez-vous. Qu'est-ce que tu mélanges? Rien d'important, saint homme. Juste. Ok. Non, je veux pas lire parler. Non. Voilà, c'est chiant quand tu parles. Moi je suis content, j'ai récupéré le petit bol pour les sacrifices. Une bolinette. Pourquoi cette femme est-elle inquiète? Ah, faut encore parler à quelqu'un. Femme, que dis-tu? Olmec, tu es venu vers... Ah, mais si l'autre pouvait arrêter de chialer dans le fond. Ah, et le toujours un personnage qui fait chier dans le fond. En ah fait, non, mais non. Ce mixage sonore est abominable. Parle-moi du chef, vas-y. Pourquoi ton mari a-t-il été épargné? C'est juste par le à côté de Freud. Il priait dans le temple du jaguar lorsque le mal arriva. Quand les échos de la mort... Ouais, bon, en fait, je m'en fous. Alors, la bataille maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille? Au début, lorsqu'on a vu notre vénéré roi revenir de l'au-delà. Non, en fait, c'est chiant. Donnez-moi les objets pour finir ce niveau. Non, tradition peut-être. Mais Olmec, homme sage. Oui, c'est bien, le village. Qui reste dans le... Une poignée d'entre nous. La mort.
Elle est morte dans la bataille ? Mon mari est sûr qu'elle a été écrasée sous les rocs qui ont détruit les murs de notre village. Tu sembles ne pas croire à ce que tu dis. Je n'y peux rien. Très bien. Je suis sûr que ça servait à rien de l'écouter. Oh, mais il y a encore un perso. Cet ouvrier me doit rester fort et bien. Et lui, il tape son mur. C'est moi ou il fait une jojo pose? J'étais le maçon. Lequel? Celui qui tape le mur? Oui, tu vas voir. Pourquoi tu entres dans ce village? Je suis Olmec. Il y a un peu une pose à la con. Tu oses me parler sur ce ton? Oui, j'ose. Oui, bah, tu peux effrayer les autres. Ça sert à rien de spoiler les blagues si tu veux qu'on aille voir la vidéo de Ganesh. Ta venue maintenant ne signifie plus rien. T'es en retard. Ouais, par contre, j'avais le jeu depuis le tableau avec les enfants chelous et la femme comme arbre, on dirait presque pas le même jeu. Ah, ça aussi. Ah non, mais tous les niveaux sont très différents. Ouais. Il était dans un asile au tout début, mais c'était le tout premier. Olmec Jostar. Et tu arrives maintenant ? Tous les guerriers sont morts. Les temples sont en ruine. Ok. Tu dis que ta fille, elle était dans sa hutte quand les rochers sont tombés. Ok. Tu dis que tu étais maçon. Oui, c'est mon métier. Il y a des sorts pires que le tien. Je sais. Sa punition est rapide et sévère dans la mort, comme elle l'est. Oui, mais il était juste et sincère alors. Non, en fait, j'ai aucune envie de suivre vos dialogues si jamais vous ne donnez pas des infos importantes pour terminer le jeu. Donc en fait, je vais décider de vous ignorer. Ah, mais il y a plein de gens qui se sont fait ensevelir. J'ai pas vu. Ah ouais. C'est terrible. Ah oui, effectivement. Dis oh le mec. Putain. Bon, moi, j'ai un petit pot. Et maintenant, il me faut l'amulette pour contrer le sorcier. Si j'ai bien compris. Ce rock. Faut mettre la pierre sur le flanc sur la pierre magique. J'ai jamais trouvé de flanc. Ouais, mais au moins t'as la pierre magique. C'est même pas une pierre magique, c'est un petit bol. Un bol en cuivre. Est-ce qu'il est en pierre? Non, il est en cuivre. Eh, vous vous rappelez du disque? Le un disque. Bah là on peut faire un bol, écoutez. Un bol en cuivre vide. Ah merde, on peut pas le faire plusieurs fois. Dommage. Un bol en cuivre. Un bol. Voilà, maintenant on a le nouveau mème de la soirée, c'est parfait, on a de quoi s'amuser. Et salut à toi, Shadow Mtoon. Mtoon qui Antoon. Devient un sub. Bienvenue. Bienvenue à toi. Ah, j'avais pas vu la partie avec la lave, on peut pas rentrer dedans là? Non. Non, matériel. Oh. Ce serait de la folie. Alors non, j'aime bien les phrases automatiques quand le perso te dit que tu ne peux pas faire telle action avec tel objet, mais des fois c'est disproportionné, genre je décide de poser le bol en cuivre sur la table et il me dit ce serait de la folie. Calme-toi. Oh, lui il va encore me jarter. Non. C'est le dieu du mal en personne. Quoi, c'est lui qui est de sa couette, là? Ah oui, c'est lui. Pourquoi es-tu revenu? J'aurais dû me douter que tu reviendrais. Tu suis les ordres de ton dieu, comme le chien que tu es. Retourne vers tes serviteurs et attends la mort comme eux. Tu n'as aucun pouvoir contre moi ici. Tu oses me parler sur ce ton? J'ai assez de pouvoir pour m'occuper de gens comme toi. Ah, menace creuse d'un guerrier lâche. Pourquoi veux-tu détruire ceux qui t'ont adoré? Ah, kick, j'aimerais bien. Bah, ils ne sont loyaux qu'à eux-mêmes. Ok. Pourquoi as-tu quitté ton trône céleste? Pour un dieu retourné. Je suis plus qu'un dieu. Mais pourquoi il fait de l'aérobic? Je suis un guerrier. J'avoue. Ok. Et si j'avance, ouais, voilà, il va m'envoyer chier. Mais ça sert à rien de parler au personnage, j'ai l'impression.
bien que ce salto arrière que ton perso a fait. Ah oui, mais il était violent. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait des membres humains ici. Pourquoi elle en a besoin? Bah, ça, limite, ça aurait pu me servir. Je pensais que dans mon espèce de petit bol, là, la bolinette, je pourrais mettre du sang, mais. Ah ouais, mais non, là, je vais pas pouvoir rentrer, il me faut un cœur, je crois. Ça doit être le temple du jaguar. Oui. La tête du jaguar, elle parle. Elle parle à la tête du jaguar. Et Alucard qui est un sub depuis 6 mois. Sacré sub. Merci quand même. Resub. Resub donc. Merci bien. Et il redevient le boss. Ah oui. Bon bah Alucard est le boss à battre. Tapez-le. Tapez-le à coups de dons. C'est globalement c'est ce que veut Twitch. Il y a pas grand. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où aller dans ce niveau-là. La potion de grand-mère, là, je peux pas en prendre un petit peu dans mon bol? Je peux pas l'utiliser ici. Non. Mal soir à tous mes petites notes coco. Bah, salut à toi. Tapez à Lucas. Elias de Kellywick. Plus malade. Non, enfin, je suis plus malade. Il n'y a rien à ramasser, là. Ouais, c'est ça, la grippe, c'est la maladie à la con qui incube 3 jours, tu la sens pas, et après, tu fais chier pendant 3 jours et ça disparaît d'un coup. Ah, pour le coup, ça m'a bien fait chier. Ah, ça va. Bonsoir, Zaliriel. Salut à toi. Oui, je suis restauré. Bon, je suis vraiment pas avancé. Le chemin est bloqué. Peut-être une autre fois. Mais quoi, peut-être une autre fois? Parce que je peux interagir avec la statue, mais elle est trop grande. Je peux pas mettre mon bol sur la statue. Ce genre d'action n'est pas digne, ok. Faut taper avec le bouic-bouic. Parce que là, à mon avis, faut faire tomber la statue, mais il veut pas. Ils ont honoré Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, oui. Peut-être que je pourrais mettre de la lave dans mon petit bol. Je sais toutes les actions possibles. Alors, je pense qu'il va fondre. Oh, le cuivre, ça fond pas dans la lave, c'est bon. Non. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo hier où un mec, il passait la... Il tapait, tu sais, un flot de métal en fusion avec sa main. Avec et ça ne brûlait pas. Mais parce que, en fait, l'explication scientifique, c'est que la transpiration qui est sur sa main, vu qu'elle s'évapore instantanément, au contact de la lave, ça fait une couche de protection entre les deux, donc du coup, le métal en fusion touche pas la peau directement. Bah, dans le doute, je toucherai pas du métal en fusion. Ouais, mais. Ah, on peut pas retourner là. Bah, faut vraiment que le contact soit très bref, quoi. Tu sais, c'est un peu comme. Comme tu sais, tu peux passer bougie. Tu peux passer tes doigts dans une flamme de bougie, ça te fait rien. Tu peux même le faire plusieurs fois de suite. J'hésite à acheter Fallout 3, mais faut pas hésiter, c'est un trop bon jeu. C'est si t'accroches, tu vas avoir une sacrée. Tu vas avoir de quoi faire. Perdre d'heure avant de tomber à court. Hein. Ah mais j'ai pas pensé à parler au machin là. Ah bah on peut pas. Ah si, on peut parler aux hologrammes. Esprit, que dis-tu? Les hologrammes. Ah oui. Comment t'appelais-tu dans ce monde, héros déchu? J'ai acheté Fallout New Vegas et le 3 à cause de vous. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Prends du Vegas. Non, mais prenez les deux. Alors, guerrier. Parce que, dans le doute, c'est possible qu'il y en ait qu'un seul des deux auquel vous accrochiez, donc prenez les deux. Le New Vegas est plus RP, alors que le 3 est plus... drôle, en fait, et marrant à jouer. Non, mais ta gueule.
J'aime pas New Vegas. Mais oui, mais t'aimes rien. Si je t'aime, toi. Le truc nul. Le truc nier. Nier. J'ai acheté Mission Impossible à côté. Faudrait que je le retrouve en cartouche de N64 parce qu'il doit rien valoir le vidéo. Comment peux-tu t'accuser de défaillance alors que tu es mort avec honneur sur le champ de bataille ? Bon, ok, ça sert vraiment à rien de parler au personnage de jeu en fait. Je crois qu'il en restait un que j'ai pas parlé. C'est le premier que j'ai vu d'ailleurs. Là. Son esprit demeure encore ici. Oui. Esprit. Quel nom portais-tu dans ce monde ? Ok. Tu es le fils de Tezakatl ? Qui ? Tezakatl ? C'est qui ça encore ? Quel était ton rang de guerrier ? Vétéran. Ok. Pourquoi baisses-tu la tête de honte ? Comme disait le professeur de film, hein, c'est bizarre qu'ils n'utilisent pas cette religion pour faire des blockbusters. Des blockbusters. Bon, on se fait chier là, comment on avance? Il est vraiment, vraiment petit ce niveau. Cet esprit recherche la justice. Lui, là, il a rien à me dire. Esprit. Arrêtez de parler en même temps. Quel nom portais-tu dans ce monde, héros déchu? Ouais, je vais essayer de récupérer le sang des cadavres, on verra bien. Comment as-tu gagné ce titre? Ok, on s'en fout. Quel était ton... Mais à chaque fois, tu as pas demandé à tout le monde quel était son rang en tant que guerrier. Ça se pose pas comme question déjà. Et lui, là, je lui ai parlé. Non, je lui ai pas parlé. Esprit de totem, oui. Quel nom avais-tu pris dans ce un pêcheur? Faites un jeu bien dégueulasse. Si jamais vous refaites un épisode comme ça, là, Apocalypse avec que représente ce totem pour toi? Je connais pas. Ouais, je connais pas le jeu, mais. Je ne veux pas de mal au temps. Mais après, le but n'est pas de. Tu te trompes. N'est pas de faire des jeux nuls. C'est de faire des jeux nuls qu'on J'accepte aimait quand on était gosse. Voilà. Salut, Master Gwen. Un cadeau à ta femme. Master Gwen qui re-sub pour deux mois. Ah bah bienvenue à nouveau Master Gwen, c'est gentil. Alors lui il me parle d'un collier, c'est important. Qui est ta femme? Elle. Je veux dire son nom. Révèle. Oh c'est chiant quand tu parles en plus. Quel était ton rang de... Ça beaucoup de personnes. Bon lui il m'a parlé de sa femme qui avait un collier, ça doit être important. Bon on va essayer de récupérer du sang des cadavres déjà. Et dans le petit bassin là. Non on peut pas. Ah mais il y a la vieille qui bloque là. Non mais ça va jamais marcher ça. Je peux pas l'utiliser ici. Non. Bon, il faut reparler à toutes les femmes du village jusqu'à trouver la bonne. Non. Ça me fait bizarre de me voir en haut de l'écran. En live. Encore changer de personnage. Oui. Mais c'est un jeu où on passe son temps à changer de personnage. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que pas tellement. Bah en fait, à chaque fois, on incarne Max. Bah c'est toujours Max, mais à chaque fois, il se projette dans un personnage différent. Ah, le collier. Le guerrier furieux. J'arrive pas bien à voir sa tête. Mais ça va, le design pourrait être pire. Tu as le collier qui appartient à sa femme. Donne-moi le collier. Si tu gagnes encore trop une fois, c'est... Je pourrais filer des indices, si tu le demandes. Ok, bon après c'est ma taille qui joue. Hein, mais... Voilà. Alors attendez, parce que là, ça a avancé l'histoire du collier, donc faut peut-être aller reparler à l'esprit. Lui là. C'est quoi maintenant l'Old Gold? Non, un truc aztèque. J'ai parlé au maçon, homme mort. Il va livrer le collier comme pour... Honorable. Mais il va livrer le collier à quoi? Ah, et maintenant on peut... Voilà, le passage est ouvert. Putain, suffisait de faire disparaître le spectre à cause de cette histoire de collier. Bon bah là, on a accès au cadavre, c'est cool.
le mec. Bah alors fais-le. Voilà. Ah, cinématique. Tu dois être la fille du maçon. Tu manques terriblement à tes parents. Je te ramène à la maison. Crame des gens, mais calme-toi. Coatlic, ma fille, tu es revenue de la mort, idiot. Elle était coincée dans le temple. Si tu n'étais pas si têtu et si apitoyé sur ton sort, tu t'en serais rendu compte. Oh, ma fille chérie, je suis désolé. Va voir ta mère, tu lui manques terriblement. Bon bah c'est cool, j'ai ramené sa fille à machin, mais ça servait à quoi? Et arrête de taper ton mur, toi. Mais il a pas fini. Ouais, c'est pas faux. C'est laquelle, sa femme? Elle. Ah, c'est elle. Femme, j'ai retrouvé sa fille. Merci, Olmec. Tu as ramené l'espoir dans mon cœur et celui de mon... Mais non, j'ai pas ramené l'espoir, j'ai ramené ta fille. Le futur sera aussi brillant que le soleil. Mais ça servait à quoi? Elle est où, la fille, du coup? Non, je suis pour mettre le lien pour un petit montage. Ah, que tu es délicate. Je ne peux pas aller par là. Il parle à la gamine. Petite, pourquoi étais-tu au temple? La pierre brillante. Voilà. Elle est jolie. Et... La pierre brillante? Oui, c'est un grand cristal, comme ce que Père transforme en bijoux. Il a... Ok. De quelle musique tu parles, petite? Les gongs. Parfois, je peux en trouver qui font le même son. C'est drôle. C'est tout? J'ai même pas avancé. Faut quand même pas retourner au temple. Elle est à la bonne hauteur, la gamine. Tu es ignoble. Bon, il y a peut-être un truc à récupérer dans le temple, du coup. En fait, vous comprenez que la moitié de ce que vous faites, un petit peu. Un grand cristal. Je peux voir quelque chose dedans. Mister 001001, je vais t'empêcher d'utiliser le mot cravate. Ah, il y a une énigme peut-être? Il y a toujours une énigme. Bah, on dirait. Non? Ah! Ah non, me dis pas qu'il faut faire ça dans l'ordre. Et pourquoi tu le ferais dans le désordre? Ah, c'est ça, c'est ce genre d'énigme à la con, faut faire sonner les gongs dans le bon ordre. Ouais, c'est ça. Ah. Ah, merde. On recommence. Je comprends pas pourquoi dans les jeux, ils sont obligés de mettre cette énigme à chaque fois. Ah, mais merde. Parce que c'était obligé dans le cahier des charges des point and click pré-2000. Ah, mais c'est chiant. Allez, j'espère que j'ai trouvé le bon. Voilà. Et maintenant le dernier. Et ça va faire péter le cristal. Enfin, je crois. Ouais. Totem du vent. Bon bah j'ai le totem du vent. Un totem du vent. Ok. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais j'ai le totem du vent. Reproduit d'un Hulk dans Sandstorm. Ça doit être long. Ah, ça doit être super long. En plus, il y a une émote globale de Twitch Sandstorm, ça. Et maintenant, je vais parler à tous les persos. Ah, collier. Les bijoux te vont bien, Val. Merci, Olmec. Tu as apporté beaucoup de joie à mon cœur chagrin. Faudrait monter l'image à ma taille. Oui, mais quand il est en live. Je penserai à mon mari et à toi pour ma... Faudrait à la limite ouais, que tu scrolles un peu dans le chat et que tu regardes il y a 2 minutes un lien qui a été posté. Pourquoi?
Ah, c'est un montage avec ton masque. D'accord. Et oui, voilà l'émote du. À la limite, il y aura qu'à l'envoyer sur Discord. Attends, je peux faire... Purifie ce village d'impurs. Bah, j'aimerais bien. Surtout qu'ils se ferment jamais leur gueule. Tiens, voilà, je te l'ai mis. Sur Discord. Me dis pas qu'il faut que je parle à tous les spectres pour leur dire qu'est-ce que je fais du totem du vent. Je crois qu'on va faire ça, ouais. Y'a personne qui veut voir mon totem du vent? Non. Quetzalcoatl, il en veut pas de mon totem du vent? Non, s'en fout. Ils auront tous rien. Peut-être une autre fois. Oh. T'es coucou, tu veux voir mon totem? Ah bah là, ils ont l'air de s'en foutre, mais royalement. C'est pas haut pour mon totem. Ah, mais à chaque fois que je veux me diriger vers un spectre pour lui parler, il disparaît. Bon, lui, il s'en fout. Cette eau est impure. Il s'en fout que l'eau soit impure. Un an que je vous suis et un an que je comprends toujours pas le mec en à droite, tu peux m'expliquer. Bah surtout que ça fait pas un an qu'il est là lui. Mais c'est juste pour la blague. Mais sinon non, oui c'est... On met souvent un gif à la con. En haut à droite. Bon bah personne ne veut voir mon totem du vent. Ok. Ouais, c'est fait, oui. Mais bon, il fait pas ça nativement dans le jeu. Si. Bah déjà que c'est le modèle de Kingdom Hearts, ça, non? Je crois, oui. Non, je sais pas. Non, c'est pas le modèle de Kingdom Hearts, ça. Dans Kingdom Hearts, il a toujours l'aile? Ouais. Bah alors, c'est le modèle de quoi? D'où il vient? Ou Dissidia, ou... Oui, c'est plus Dissidia. Ah oui, peut-être Dissidia. Ouais, Dissidia, vu le peu de polygones, c'est probablement pas l'utiliser ici. J'adore la rame sur le. D'accord, très bien. Non, va pas sur la statue, non, va-t'en. Ah oui, c'est vrai que Kefka il fait ce mouvement là en fait, ils ont modifié le modèle. Ah oui, ça fait sens du coup, parce que Kefka, oui, je l'imagine bien faire ça. Tu veux pas mon bol? Non. La nouvelle collecte pour t'acheter un nouveau micro matériel? Peut-être, oui. En priorité, c'est un billet de train pour février. Ah oui. Pour une convention. Putain, mais c'est sinon, vrai, on va devoir se le payer. Mais bah, normalement, on a assez. On a déjà de quoi se payer de toute façon, même ne serait-ce qu'un aller. Oui, ça va en fait. Mais. Mais sinon, oui, le micro, ça sera probablement dans les prochains trucs à commander. Bon, je sais pas beaucoup, quoi faire. J'ai tombé sur un tweet de Lopok qui dit que je voulais faire un bug sur Breath of the Wild, mais il a été mes offices de pute a été patché. Un bol de sacrifice vide. Ah, feu. Et attention, faut demander avant de poster un lien. Un bol de sacrifice. Ouais, c'est Kefka qui fait n'importe quoi. Non, ça va, t'as été timé de 10 secondes. Que faire de.
Mais je veux pas aller là. Tu risques, attends de, qu'il ait. Parce que à moins qu'il ait demandé que j'ai pas fait gaffe, mais attends qu'il demande un indice avant de donner. Le problème, c'est que j'ai tellement peu d'endroits où aller. Grosse tête. Ok. Grosse tête. Beaucoup ont été sacrifiés à cet endroit. Alors, à moins qu'il y ait un passage que j'ai pas vu, je crois qu'on a visité tous les endroits possibles déjà. Il y a lui à qui j'aimerais bien pouvoir parler. Dans l'info qu'il a balancé, là où oui, apparemment il y a un passage que t'as pas vu. Mais le problème c'est que tout est tellement moche que tu loupes tout facilement niveau chemin à prendre. Là il y a un temple mais c'est inondé, je peux pas y aller. Non, apparemment c'est vers une statue de jaguar. Merci pour les 5 bits. Le tif en dessous de 100 bits. Parce que la statue du jaguar, oui, je vois très bien où elle est, mais je peux rien faire avec cette pyramide du jaguar là. Je peux monter le long des marches, mais c'est tout. Bon, il me faut deux cœurs pour rentrer. Il t'en faut deux maintenant. Non, je crois que j'ai vraiment visité tous les endroits. Je peux essayer à la limite de revenir dans l'espèce de temple à droite. Ok, il y a plein de cadavres, je peux pas récupérer un cœur là. Non. La puissance du dieu déchu doit être grande en effet. Non, j'ai tout récupéré. Une simple poterie. Ok. Ça on l'a fait cette énigme, on a l'espèce de totem à la con. J'ai l'impression que la solution elle est au village. Mais j'aime pas aller au village parce qu'il y a tout le monde qui parle en même temps. Et c'est chiant. Et le problème c'est que je leur ai tout dit aux gens là. Toi t'as rien de mieux à me raconter. Le prochain nom du héros de Dark Souls 2 ça sera quoi? Si tu parles dans sa vie c'est pas prévu. Mais sinon, on verra. Je ne sais pas. Tu piques la masse aujourd'hui et défonce la porte du temple jaguar. C'est peut-être la solution. Ou alors à tous les coups, il y a un élément moche dans le décor que je n'ai pas vu et que je peux ramasser. Rien à faire en fait. Peut-être que je reparle au fantôme. Totem. Pourquoi te tiens-tu là, mort ? Que debout ou je tombe ? Temple du vent. Ok. Eh oui, il y avait une histoire de collier, mais j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec ça. Un collier. C'est simple. Je vais le. J'aime bien quand des fois je vais voir un peu les. Je vais voir un peu les gens qui sont sur le live.
sur le live YouTube, mais qui reste, tu sais. Et les mecs qui disent c'est passionnant, fait, ouais, mais j'aime bien, c'est, les mecs, ils trouvent que le live est nul parce qu'il n'y a rien. Mais en même temps, le seul truc qui est écrit à l'écran, ils n'arrivent pas à le lire. Tu as apporté beaucoup de joie à mon cœur. Non, ok, elle veut pas me filer son collier, cette pute. Ah non, mais c'est elle qui devait me filer un collier. Non, je sais plus. Femme. Oh, merci, Olmec. Tu as ramené l'espoir. Mec, tu pars du principe que les gens sont pas cons. De base, c'est l'erreur. Oui, mais bon, quand on est avec plein de gens qu'on ne connaît pas, de partir toujours de principes qui sont cons, ça peut mener à des... ça peut mener à des problèmes de suffisance et tout, donc faut faire attention. Tu parles de quoi? Parce que il me dit... sur le chat, il y a Kalinoz qui me dit... qui me dit que je pars pas du principe que les gens sont cons, alors que c'est une erreur. C'est le problème, c'est que vu qu'on on interagit avec beaucoup de gens, si je pars de principe que tout le monde est con, ça va poser problème. Oui. Un totem du vent. Bon, là je suis bloqué. Et le jeu m'aide pas vraiment pour me dire quoi faire en fait. Rien que le totem du vent, je vois pas quoi en foutre. Hein. Un lac de lame brûlante. Je ne peux pas aller par là. Oui, j'aimerais bien aller lui parler, mais je peux même pas traverser. Là, je ne sais même pas comment y accéder. Cette eau est impure. D'ailleurs, je peux même pas me servir de mon bol. Là. Sûrement un acte impur. Pour purifier l'eau avec le totem. C'est tellement random. Sûrement un acte imprudent. Non, il veut pas. Non. Ah ouais, là c'est catégorique, il veut pas du tout. C'est ta personne là. Ah là c'est littéralement ce qu'il m'a dit. Purifier la lave, non. Peut-être une autre fois, il n'est pas réticent à l'idée de faire ça un jour ou l'autre. On verra. Suivant comment ça se passe. Bon là on peut pas y aller. Ah. Donc là il y a des membres découpés, ça m'aide pas des masses. Faudrait peut-être que je récupère. Bonsoir, Little Stash. Salut à toi. Quetzalcoatl a profané les corps de ses honorables guerriers. Mais Quetzalcoatl, pour l'instant, c'est juste un mec qui me nargue de loin en faisant de l'aérobic. Et qui te pousse. Quetzalcoatl, regarde ce bol. Je peux pas l'utiliser ici. Quetzalcoatl, regarde ce totem du vent. Et le totem sur la statue au milieu du village. Je vois pas pourquoi ça irait là, mais. Peut-être une autre fois. Non. Ce serait de la folie. Non. Non, il veut pas. Ce genre d'action n'est pas. Bon, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, putain, il y avait un chemin qui était caché derrière le temple et tout, et on voyait pas parce que c'était moche. Putain. C'est bien ce que j'avais lu tout à l'heure, mais... Tu l'as trouvé au moment où il a demandé s'il pouvait. Les graphismes sont ouf.
1998 représente. Ketel Kwaka. Comment te nommes-tu? Mon nom est Tezaktal. Tezaktal, on... c'est quoi ces noms de médicaments qu'ils ont, les gens? Je vais vous prescrire 500 grammes de Tezaktal. Oui, l'énigme du sommeil. Comment l'arbre peut survivre entouré de feu? Il est magique. Il doit y avoir un moyen d'y arriver. Peut-être. L'ancien rite des guerriers peut être la solution. Il propose de mettre le totem au pied de la statue, ce serait de la folie. Il propose de le mettre dans la lave une autre fois. La cosse sacrée de puissance. Et pourquoi? Elle se trouve sur l'arbre d'union. Qui est entouré de... avec les priorités du perso. Mais c'est ça. Qu'est-ce que cette vieille magie peut accomplir? Le trading card game ultime. Tu as raison. Mais bien qu'elle ne soit plus pratique, alors je veux l'essayer. Masquer l'épreuve, quoi? Excuse-moi, homme sacré. Je ne peux pas. Pourquoi non, c'est même pas trading card game, c'est TGCM. Je sais pas quoi. Quel coire es-tu? Dur mot, votre sainteté. La magie est la réponse de tous les mauvais MJ. Oui. Tu veux te sacrifier pour le village? Cela doit... Surtout qu'en plus, quand de base tu vois comment ça c'est. C'est régulé dans les. Ta gueule, c'est magique. Okay. C'est ça. Oui. Quand tu vois comment c'est. Que la magie est régulée dans les. Dans les RP. Dans le roleplay papier, c'est souvent. Ouais, c'est t'as un sort toutes les 6 heures et faut. Faut que tu le recharges et que tu le mémorises et tu, c'est hyper pénible. Mais quand c'est le. Mais ce connard, il me laisse pas rentrer dans la baraque à côté. Je sais pas, souffle-le avec le totem du vent. Ah mais il veut pas me laisser passer. Laisse-moi passer. Tiens, la version Star Wars, ça glisse la force. Ouais. Ah. Ce genre d'action n'est pas dit. Mais putain, le seul endroit où je suis pas encore allé, je peux pas parce qu'il y a un vieux devant. Oh mais merde. Bon bah on recommence, on va reparler à tous les personnages du jeu. Faut parler à sa femme et lui dire il fait n'importe quoi ton mari, il veut pas me laisser rentrer. Toi là. Ah mais lâche ce totem. Tu lâches. Le sorcier. Ton mari est un brave homme, vieille femme. Et qu'est-ce que je deviens? Garde tes paroles égoïstes. Tu es aussi... Mais c'est tout? Mais ça servait à quoi de lui dire ça? Oh, j'en ai marre de ces gens qui débloquent des dialogues, mais pour au final ne pas me faire avancer. C'est pour le RP. Donne-moi ta masse, toi, j'ai fracassé le vieux. Ah, le guerrier. J'ai trouvé ta fille, maçon. Il est temps pour moi de subir le... Tu es vraiment. Mais depuis quand j'ai ce dialogue qui est disponible? Que ton cœur me pardonne. Pas de prosternation, chef. Mais... Oui, oui, bien sûr. Point d'attaque de bravoure et d'héroïsme. Il a déjà prouvé en me ramenant ma fille. Il faut que tu récites le nom des guerriers qui t'ont précédé. Déjà... Oh là là, chiant. Je voudrais subir la seconde épreuve. Est-ce que tu connais le nom des 6 guerriers qui t'ont... Non. Désolé. Il faut que tu connaisses les... Mais comment je fais pour connaître les noms des 6 guerriers qui m'ont précédé, là? Oh, mais sérieux. Faut que je reparle à tous les... À tous les hologrammes, là. Ah, merde. C'est le nom des hologrammes. Je sais pas, peut-être. Attendez, je vais juste sauvegarder vite fait. Tabasse le chef, mais j'aimerais bien. Alors lui, c'est un guerrier. Bonjour. Et tu t'appelles comment? Quel nom avais-tu pris dans ce monde? Alors, Tepiktok. D'accord. Ensuite, suivant, il y en a 6. C'est quoi? Quel nom porte-t-on en même temps?
Ometok, oh putain. C'est chiant de se rappeler de ces noms en plus. Est-ce qu'il y en avait un par là? Non, 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 il n'y a pas rien là-bas. Je sais qu'il y en a un par là. Alors, Tepiktok, Omektok. Et toi, c'est Xylonen. Allez, plus que 3. Ah, mais y a... le dernier, je peux pas aller lui parler. Il est hors de portée. Faut crier. Mixoatl. Ah, c'est pour ça, en fait, qu'il veut pas me faire faire l'épreuve. C'est parce que j'ai pas encore parlé au dernier. Mais le dernier, je sais pas comment y avoir accès. Putain, je peux pas lui demander de loin quel est son nom. Mais fais chier. Non, le dernier s'appelle pas Big Black Talk. Il faut retourner voir Kesakoat le sommet, puis pousser la statue à droite. Quoi? Faire un pont avec Kesakoat? Mais y a pas non, avec la statue. Mais y a pas de statue à droite. Putain, y a une statue à droite. Une grande statue. La magie violente de la terre l'a rendu instable. Putain, c'était ça. Mais c'est con. Oh la logique à la con. Fallait pousser la statue pour faire déborder la, le truc de lave, que ça fasse un pont en lave qui s'est refroidi sur le lac. Ah oui, d'accord, le truc qui aurait pris des jours en vrai, quoi. Oh, mais je déteste ces logiques à la con. Oh, ça m'énerve. Bon, t'es qui, toi? Esprit, que dis-tu? Défaite. Quel est ton nom? Comment t'appelais-tu dans ce monde? Sentiot. Ok. J'ai cru qu'il avait dit des crêpes. Oui. Quel était ton rang de guerrier dans... On s'en fout de qui t'étais. Bon bah du coup je peux rentrer dans ce truc là. Non. On peut pas rentrer. Moi ce que j'attends c'est que le mec il te demande les noms mais dans une liste. Oh putain. C'est évidemment le temple de l'eau. Et pourquoi on peut pas rentrer dans le temple de l'eau? Parce que c'est fermé. Ah. Bon bah tant pis, on n'ira pas dans le temple c'est de l'eau. Évidemment le... C'est évidemment le temple de l'eau. C'est... Ok. Genre c'est évident quoi. Ouais, je vois, c'est une maison qui ressemble à une vieille cabane mexicaine, mais c'est évidemment le temple de l'eau. Bon, toi qui tapes ton mur là, fais-moi passer l'épreuve. Je voudrais su... Est-ce que tu connais le nom de... Oui, je... Alors commençons, Olmec. No... Alors. Bah, suffit de les nommer dans l'ordre. Tepiktok. Senteotol. Huitzilop. Mixcoatol. Ometok. Xylonen. Désolé, bravo. Quoi? Mec. Ce n'est pas juste. Quoi? C'était pas ça? Mais il m'a donné 6 noms et il fallait que je cite 6 noms. Voilà. Je vous... mm-hmm. Est-ce que tu connais... Oui. Je... Mais... Alors commençons. On nomme les 6 guerriers en commençant par le plus jeune et on commençait pour... Oh, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. Oh, c'est de la merde. Oh, ça me saoule. Quel nom avais-tu pris? Tepiktok. Bon, Tepiktok là. Un pêcheur. Oui. Mais comment je sais quels sont les plus vieux? Bah, ils doivent le dire, hein. Quel était ton rang de guerrier, esprit? Jeune. Ah, d'accord, il est jeune, mais plus vieux que. Oh là, il faut que je note des trucs là. Oh, je suis gavé. Alors, Tepiktok.
plus jeune ou plus vieux? J'ai même pas suivi. Quel est jeune? Plus vieux. J'étais. Mais plus vieux. Que Omitok. Ok, suivant. Toi là, t'es qui? Quel nom portais-tu dans ce monde, héros? Ah bah c'est lui, Omitok. Quel était ton... Pas le plus jeune. Pas le plus jeune. Plus âgé que Xilonen. Plus âgé que... Xilonen. Ok. Je sens que j'ai marré. Toi... T'es qui? Comment t'appelais-tu dans ce monde? Ah bah c'est lui Xilo machin. Quel est plus jeune de Alors lui c'est le plus jeune. Ok. Mais j'espère que c'est pas ce genre d'énigme à la con où. Le dernier, il m'annonce qu'il y en a un qui m'a menti. Je déteste ce genre d'énigme. Hé, hey, mais reviens, toi. Et là, je parie que lui, c'est le plus vieux. Quel est... Ok. Maintenant, on va parler aux deux derniers connards. Mais Exa, putain, est-ce que je t'ai demandé de me spoiler l'énigme? Ah, tant pis, j'ai pas lu. On continue. Mais je crois qu'en plus, il notait ce que t'avais dit. Ah oui, non, là, le tout dernier, là, oui, non. Je spoil pas, j'ai trouvé. Bah oui, mais c'est pas parce que t'as trouvé que tu spoiles pas. Si tu donnes la réponse alors que Matt avait pas trouvé, tu spoiles. Ah, j'ai même pas eu le temps d'écrire. Et plus jeune que qui? Que Huizilop. Bon, allez, ta gueule quand tu parles, c'est chiant. La lave s'est refroidie dans l'eau et forme maintenant un rocher solide. C'est pas si on fait quelque chose au niveau stream ou nouvel an. Je sais pas. Allez, il manque seulement lui. Bon, bah maintenant le but, ça va être d'essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Les huttes du village en ruine. Non mais on s'en fout des huttes du village en ruine, ta gueule, voilà. C'est, mais c'était très important. Non, on s'en fout. Alors, c'est parti pour ton épreuve. Alors, des plus jeunes ou plus vieux, je crois. Enfin, je crois. C'est ça ou pas, des plus jeunes ou plus vieux? Oui, je crois. Alors, attendez, le plus jeune, c'est Xilonen. Xilonen. Ok.
Ensuite, plus vieux que. Plus vieux que Ometa, Ometa plus jeune. Ensuite, c'est. Ometok, je crois. Ometok. Tepiktok. 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 Plus vieux. Ensuite, c'est. Oh, merde, c'est même. J'arrive même pas à me relire. Lui. Senteotol. Et tu prends celui qui ressemble le plus. Huitzilop. Voilà. Mixcoatol. Tu es plus sage. Voilà. Mec. Tu es maintenant prêt pour la magie ancienne de la Terre, transmise par mon père, qui la tient de son père. T'es pas allé voir Paracétamol. J'aime beaucoup son nom, lui. Cela créera putain. Une combien de temps ça va durer? Pas longtemps. Le paracétamol est le grand dieu d'Aflon, quoi. Sang du sacré. Ça aurait été trop bien qu'il y en ait un qui s'appelle Spiffen aussi. Marié au cœur de la terre, oui. En une union de protection et de pouvoir. Et tu vas prier le dieu Smecta aussi. Le dieu Smecta. Pour protéger ce noble guerrier des durs éléments. Smectacticlané. Va et accomplis ta destinée, Olmec. Bon, le rituel, en vrai, j'ai pas suivi à quoi ça servait, mais ça doit être bien. Pour protéger les guerriers. Bon, j'ai pas compris que ça servait, mais. Maintenant, on va péter la gueule à Quetzalcoatl là. Le dieu Spacefond. Spacefond et Humex. Quetzalcoatl, je viens t'affronter. Non? Ou pas? Ah non, il m'a pété la gueule, ok. C'était pas ça. Il est un peu chafouin quand même. Est-ce que ça veut dire que maintenant je peux rentrer dans le temple? Fallait pas aller chercher un fruit avant? Je sais pas, fruit. Je sais pas, je peux marcher sur la lave maintenant? On va voir. Non. Ah ouais. Alors. C'est parce que t'as des chaussures en pierre. Parce que je suis en pierre. Alors j'ai eu un fruit. Ça doit être la cause de un fruit de lave. J'ai eu la cosse de puissance. Faut donner au sorcier du coup. Non, faut le lancer à la gueule de Quetzalcoatl. Là, oui. Tiens la cosse. J'ai la cosse de s'il puissance. Va nous trouver une idée de gif, le mec, voilà. Il sera peut-être au début du jeu. Non, c'est plus. C'est, ça a pas vraiment de rapport avec des jeux qu'on joue, c'est plus pour le côté stupide. Je vais commencer tout de suite. Énigme. Faudrait le trouver en détouré et tout, ce serait cher. Accomplir ma destinée. Que mon sacrifice sauve le village. C'est ça, tire-toi. Bah, j'espère que c'est pas le même temple de l'eau que dans Ocarina of Time. Ouais. Oh, mais le vieux il va affronter Quetzalcoatl. Mais il va se faire défoncer. Mais non, il a la cause de puissance. Ah bah oui. J'adore comment il s'en va. Bah ça alors, il a perdu. Bon bah il est mort. Bah du coup je peux récupérer son cœur. Malgré ton honorable sacrifice, le village reste en danger. Rip le performance. Masque. Mais est-ce que t'as un atamé ou un couteau ou tout autre couteau sacrificiel? Je sais pas, mais en tout cas j'ai récupéré du sang dans la petite jarre. De sacrifice rempli de sang du sorcier guérisseur. Ah, bon. Bon bah maintenant est-ce que je peux aller dans sa hutte? Avec quoi dans sa hutte? C'est quoi ce truc? Un cœur de cristal. Ah mais c'est ça le cœur qui ne saigne pas. Bah voilà, on l'a. Les bougies dégagent un parfum puissant. Ok, il y a des trucs à récupérer là.
Non, c'est le mien. Généralement, les Incas, quand ils faisaient un cœur, c'était un cœur humain, hein, la forme. Oui, mais l'autre, il voulait un cœur qui... de la Saint-Valentin. Il veut un cœur qui ne saigne pas. Bah, c'est ça. Mais oui, mais ça, ça aurait été un cœur humain sculpté en cristal. C'est limite, tu t'attends à ce que ton... t'aies une musique de victoire à la Zelda, comme quoi t'as gagné un cœur, un réceptacle de cœur, tu vois. Oui, c'est ça. Bon, bah là, du coup, on va verser le sang. Voilà. Mais je l'ai, le cœur qui saigne pas, si tu si tu pouvais me laisser faire au lieu de parler. Voilà. Les offrandes sont acceptées. Le temple du jaguar sont ses portes à Olmec, le guerrier sacré. Ok. C'est quoi? Totem du jaguar. Apprends-le. Ah non, il y a une énigme pour décrocher le totem, c'est ça? Allez, fais l'énigme. Non. On va faire quoi? Oh putain, c'est quoi cette énigme à la con? Qu'est-ce que c'est? C'est faut que tu mettes les têtes de bœuf du plus jeune au plus âgé. Oh putain, ta gueule. Alors, faut sûrement trouver la combinaison quelque part, mais je sais pas où elle est. C'est un gros cadenas, quoi. Presque d'anciens héros. Quoi? Pas de portrait du valeureux Olmec? Il y a combien de motifs en plus? Je dirais 6 vu la forme. Ah, il y en a bien plus que ça. Vache, il y en a combien? Ça avait l'air d'être des hexagones. Oh là là, elle est où la fresque qui donne la solution là? On va bien la trouver quelque part. Ah, là sur les marches? Non. Non, ça ressemble pas du tout. Pourtant. Ouais, dans... Ah si! Dans l'autre, non, je sais pas. Oui, là il y a les différents symboles, mais il y a deux rangées. Ah oui, à gauche. Ah oui, mais c'est les mêmes, je suis con. Oui, c'est les mêmes. Ok. Bœuf, lune 8, masque, étoile, poisson, croix, cible. Alors attends. Bœuf, lune, infini, cagoule, étoile, poisson, ouais, cible. C'est ça. Ouais, mais je vais jamais le retenir parce que j'ai une mémoire de merde. C'est pas grave. Attendez. Alors, bœuf. Ah, bœuf. Bœuf, croissant. On dirait que je fais une liste de courses. Tu achètes de l'infini à Leclerc? Oui. Infini, cagoule. Ils peuvent fermer leur gueule dans le fond là. Étoile, poisson. Et cible. Attends, enfin, est-ce que. Viseur, mais... J'essaye de m'appliquer pour dessiner le poisson, mais il est moche. Et l'espèce de grosse cible. Ok. On va retenter. Alors, bœuf. Ah, il y a la tête de loup aussi, mais on... ça y était pas, ça. Je vais le mettre en dernier, c'est le cas où. Alors, bœuf. Ça se trouve, c'est la tête du jaguar qui indique le fait que c'est dans le temple du jaguar, j'en sais rien. Infini. J'aime bien comment ils arrivent quand même à foutre 70 pictogrammes sur un hexagone. Oui. Alors, infini, la cagoule. Je sais même pas. Entre les mecs dans le fond ou le au nom de la petite fille, tu préfères quoi? Rien, je me tire. Il n'y a pas assez de. Ah merde, c'est le bœuf ça. La cagoule, elle va là. Voilà la cagoule. L'étoile, le poisson et la cible. Je dirais que c'est un autre hexagone. Bah, possible, mais. La logique voudrait que c'est des hexagones.
Je me tue si c'était dans l'autre sens. Ah, ça a déverrouillé un truc. En plus, il les allait même pas bien, perso. Ça y est. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé la petite pyramide. Attends, ça fait de la lumière. Je me tire. Bon, bah, direction le temple de l'eau maintenant. Il faut parler à l'esprit du pêcheur et ensuite à la flamme, à la femme dans sa maison. Mais j'ai déjà fait ça. Laissez-moi rentrer. Non, on peut pas. Un bol en cuivre vide. Cette eau est impure. Ce genre d'action n'est... Bon, bah on va aller reparler à tous les personnages du jeu. C'est la partie que je préfère. Il n'y a plus grand chose à faire parce que là, franchement... Je sais juste que le masque de mort là de Quetzalcoatl, il est sous le labyrinthe et c'est sa faiblesse ou je ne sais pas quoi. Eh mais, elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est suicidée. La vieille s'est suicidée. Bon bah, très bien. Et ils sont tous morts les autres ou... Non, il y a encore la gamine. Masque. Tu dis qu'il a fait un masque. Le sorcier a aussi parlé d'un masque. Oh oui, c'est comme ça que Père l'a appelé. C'était pour le roi Quetzalcoatl. Quel genre de magie? Je sais pas. Enfin, ce que j'aime bien dans le fait que la vieille soit crevée, c'est qu'elle chantonne plus de manière faux. Parce que c'est assez chiant ça en fait. Ça avait tendance à être pénible. Sur ton mur, fous, toi. J'ai pas le son du jeu, donc je m'en fous. Parle-moi du masque. Chef, ta fille a parlé. Le masque de mort? Oui. Elle a dit aussi qu'il était magique. Oui. Le sorcier et moi, nous avons pratiqué l'incantation. Tu es fou. Cette formule magique a été interdite par les aînés. Elle libère une... Il est scellé dans sa tombe. Ok. Mais en fait, ça m'aide pas du tout. Maintenant que j'ai eu cette info, faut peut-être que je reparle aux autres personnages. Et arrête de faire des bruits de films porno des années 80 en tapant avec ta masse. C'est le masque de pierre de Dio. Oui. Tu crois que je dois aller demander à Quetzalcoatl où est-ce que je peux trouver le masque pour le tuer? Il est possible qu'il ne te fasse pas juste tomber si tu fais ça. En fait, je crois que ça sert plus à rien de parler aux hologrammes parce que eux, ça servait juste pour l'énigme. Mais du coup, je ne sais pas comment rentrer dans le dernier temple. Bon, bah, on a parlé avec tout le monde. Ah non, il en manque un. Ok. Une pierre sculptée. Elle semble venir d'un ensemble plus important. Ah. Les images gravées dans la pierre. Elles doivent détenir les clés du temple de l'eau. Ah bah, il y a une énigme. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre les symboles dans l'ordre de croissance. Bah, faut appuyer sur les différents trucs dans l'ordre, mais je vois pas en fait.
Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Parce qu'il y a le soleil. Il y a je sais pas quoi. Il y a un indien. Il y a une grande flèche. Des poissons et des vagues. Par les dieux. Qui c'est qui peut me renseigner à propos de ça? Attends, je vois... Les images gravées dans la pierre, elles doivent détenir... Je vois pas... Qui a pu me parler de ça? C'est pas une autre... un indice visuel? Bah je sais pas. Par les dieux. Si plat que ça, on fait des possibilités ça en plus. Un pêcheur doit être habitué au temple de l'eau. Que sais-tu des sculptures? Quel credo? Le credo. Quoi, ombre qui... Credo. Mais c'est quoi le credo, abruti? Quel credo? Le credo. Vie au credo. Vie au credo. Quoi, ombre qui... Credo. Putain, ils mettent bien le vieux, là. Tout ce qui est de la flotte. Tenter, hein. Va parler à sa femme. Oh putain. J'ai pas envie de lui parler à sa femme. Mais non, c'est pas celle-là qui est morte. C'est laquelle sa femme? Celle-là? Oui, c'est quoi le credo? Triste femme, j'ai parlé avec l'esprit de ton mari. Il va bien? Les esprits ne sont pas comme toi et moi. Ils parlent par mots et pensées entrecoupées. Quand je l'ai interrogé au sujet des sculptures du temple, il a répété le mot credo. Il vivait selon le credo du pêcheur. Il se le récitait souvent. Lorsque l'œil de Dieu est au-dessus, harponne rapidement l'eau. Si tes poissons ne doutent de rien, ta pêche sera féconde. Harponne rapidement l'eau. Si les poissons ne se doutent de rien, ta pêche sera féconde. Quoi? Arrêtez de te faire des trucs qu'il faut retenir parce que moi j'ai pas une bonne mémoire. J'ai parlé à l'esprit. C'est un calepin. J'ai parlé à l'esprit de ton mari. Il va bien? Bah il est mort. Ce credo du... Oui, Saint homme. C'est ça. Lorsque l'œil de Dieu est... Voilà, j'ai pris un screen. Alors. Alors, dans l'ordre. Les images gravées dans la pierre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur mon truc? Putain, mais... Ah, j'ai la photo qui veut pas se... Elle veut pas apparaître, cette pute. La photo? Ah oui. Oui. Oula, c'est pixelisé. Oula. Alors, lorsque l'œil de Dieu... C'est... Alors je sais pas ce que c'est ça, mais il y a un soleil là, l'œil de Dieu c'est le soleil? Ou c'est cette espèce de truc? Hein? Est au-dessus, harponne rapidement l'eau. Ouais. Si les poissons ne se doutent de rien, la pêche sera féconde. Ah ouais, mais ça j'en fais quoi? Non, c'est pas ça. C'est peut-être un symbole de... De fertilité, je sais pas. Non, alors là, il y a deux symboles qui m'échappent. Enfin, celui au milieu avec l'autre, ça représente quelqu'un. Ouais. Il y a le soleil et ça, je vois pas ce que c'est. Attends, redis-moi la phrase. Ah merde, putain, arrête de passer. Voilà.
Lorsque l'œil de Dieu est au-dessus, harponne rapidement l'eau. Si les poissons ne se doutent de rien, ta pêche sera féconde. Et merci à Iron Gabi qui resub pour la deuxième fois. Merci pour ton resub. Attends, je vais tenter un truc. L'œil de Dieu est au-dessus, donc soleil. Harponne rapidement l'eau. Si les poissons ne se doutent de rien, ta pêche sera. Bah, c'est pas ça. Je sais pas, peut-être avant le harpon, le bonhomme. Alors, l'œil de Dieu. Ça, je vois vraiment pas ce que c'est tout à droite. Hein. Au-dessus, harponne rapidement l'eau. Attends, bah du coup, je fais d'abord le bonhomme et ensuite le harpon ou. Je sais pas, je dirais d'essayer avant le harpon. Harpon, bonhomme. La pire, flotte. T'essayes, de toute façon, il n'y aura pas 36 000 solutions quand t'en as déjà beaucoup qui sont à la bonne place. Pff, c'est pas clair. Un ancien. Un quoi à droite? Ça ressemble à un filet pour collecter le poisson. Bah oui, mais bon, on parle de les harponner. Ou alors faut pas appuyer sur tous les trucs. C'est un panier à droite, vous êtes pas bien. Parce que l'œil de Dieu est au-dessus. Bon, ça c'est quand il y a du soleil à tous les coups, ouais. Harponne rapidement l'eau. Si les poissons ne se doutent de rien. Non, harponne l'eau. Des poissons, et ça on va dire que c'est un panier, ouais. Bah non. Il y a plutôt un carquois. Mais vous voyez que personne n'est d'accord pour se dire ce que c'est à droite. Ah putain. Bon, le premier c'est le soleil. À tous les coups c'est ça, ouais, l'œil de Dieu au-dessus là. Mais alors, machin au milieu, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Hein. Je sais pas, on dirait un guerrier à la con. Quoi. Harponne l'eau, ouais. Le rond, c'est la tête. Mais pas du tout. Attends, il y en a un qui propose. 5, 3, 1, 2, 6, 4. Bah GG à toi. Ça n'a aucun putain de sens, mais GG à toi. Ah, ça m'énerve, ces jeux d'énigmes où les énigmes sont cons. Là, franchement, faudra qu'on m'explique la logique de l'énigme. En fait, je comprends juste pas les deux derniers. Bah en fait, dans la tête des développeurs, c'est logique, mais tu comprends pas ce qu'ils ont voulu te dire. Mais comme dit Tatou dans le chat, il dit faut se mettre à la place d'un dev au bout de sa vie au moment de faire l'énigme. Ah bah c'est ça. Bah du coup, on peut rentrer dans le temple ou pas? Non. Si. Peut-être même pas besoin. Oula, me dites pas qu'il y a encore une énigme à la con. Une grille dans le sol et de l'eau en dessous. Je vois quelque putain, chose. Explosion.jpg. Faut faire quoi? C'est quoi? Un poisson rubis. Sa couleur doit indiquer quelque chose d'important. On prend le poisson. Ouais, j'ai un poisson. C'est bien. Ouais. Et faut faire quoi maintenant? Bah, faut le remettre dans l'eau. Une grille dans le sol et de l'eau en dessous. Un poisson. Ce serait de la folie. Ok. Me dis pas que faut que j'aille voir le fantôme du pêcheur en mode hey, regarde, j'ai trouvé un poisson, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu jettes le poisson. Mais la couleur du poisson indique un truc, bah il est rouge quoi. Eh, hey, pourquoi il n'y a plus de statue là? Bah. Ok.
Parle-moi du poisson, toi. Non, tu veux pas? Ok. Faut que je fasse une soupe? Mais je vois pas en quoi le fait qu'il soit rouge, ça indique un truc important. En plus, j'aime bien comment le perso, il te sort ça au pif. Hein. Ce poisson est rouge, c'est sûrement très important. Non? Ok. Bon, j'ai mon poisson, je suis content. D'ailleurs, j'ai combien d'objets? Ah oui, j'ai toujours le petit bol là. En cuivre vide. Il a dû servir à des sacs. Je vous préviens, le prochain live qu'on fait, c'est sur la suite de Batman Telltales. Hein. Là, au moins, c'est simple. Évidemment, c'est pour les teubés. Oh la vache, c'est tellement méchant. Après, il était pas un peu fini à la pisse, le premier? Non. Pas. Et c'était quoi qu'elle est pas? Moi, c'était le méchant de fin que je trouvais nul à chier. Ah oui, oui, c'était ça. Et il y avait aussi, il était très mal codé, non? Je crois pas. Mais pourquoi je peux plus rentrer dans le temple? Il me semblait qu'il buguait pas mal. Non, faut quand même pas refaire l'énigme pour rentrer. Va falloir refaire l'énigme à chaque fois qu'on veut rentrer? Ah merde, c'était quoi? C'était quoi? Attends, déjà je... Alors, 5, 1, non, je sais plus. 5, 3, 1, 2, 6, 4. Ah ouais, c'était bien ça. Mais à chaque fois, faut refaire ça, t'es sérieux? Ah, y'a un truc qui s'est levé. Totem de l'eau. C'est Babit. Et pourquoi là, y'a le truc qui s'est levé? J'ai rien compris. Mais pourquoi là, le truc il s'est levé? Putain, mais il est tellement pas logique ce jeu. Bon bah maintenant faut sûrement placer les statuettes là sur ça. Enfin je crois. Ouais c'est ça. Et du coup mon poisson il sert à quoi? À manger. Ah bah oui. Ou alors tu fais une grosse claque avec tes petites lanes avec. à Ketsako. C'est qui celui-là? Putain, c'est les... Comment t'es tombé comme une merde. Pourquoi il y a Saxon Hale? Je ne sais pas. Mais c'est pas Saxon Hale, il est pas torse nu. Ah bon? Il me semblait là. Ah mais non, t-shirt. J'espère qu'il va me trouver une utilité au poisson, parce que si je passe au niveau d'après sans avoir trouvé l'utilité du poisson, je vais vraiment pas être content. Bah en même temps, c'est pas grave. Oui mais juste ça va me perturber, le fait qu'il m'ait donné un objet qui ne me sert pas. Est-ce possible? Tous. Ah bon, on est de retour sur Max. C'est si simple. Test DNA initial. Et maintenant, il a un poisson. Allez, allez. Tenez-vous bien ensemble, enfant de salaud. Cohésion moléculaire affirmative. Oui. Cycle du test enregistré sur DVD. Séquence encryptage initialisée. Séquence encryptage terminée. Ok. Le labyrinthe.
Ah mais on n'a pas fini. Oula, je sens que j'ai pas aimé cet endroit. Donc en gros le gars il a enfin trouvé la solution à ses recherches, mais il a pris la voiture comme un débile et il a fait un accident, très bien. Ok. Faut juste pas marcher là où c'est électrifié quoi. Il y a trop d'endroits où aller. Faut que tu utilises le Nikita pour enlever le sol électrifié. Ah bah oui. Oula, la perspective elle se fait vraiment enculer là. Oh non, il y a une console avec des boutons là. Je sens que je vais pas aimer ça. Ça ressemble à un levier. Alors, j'aime bien quand dans les sous-titres il a parlé de disjoncteur, mais à l'oral il a parlé de levier. C'était un disjoncteur. Et Mafioso qui resub pour le 7ème mois consécutif. Félicitations. Oui. Et qui tient absolument à faire savoir qu'il était le premier sub. Mais oui, c'est le plus grand sub des trois royaumes, lui. Et du coup, on peut passer là ou. Bah. Oh, ça va être chiant. Dès que je touche l'électricité, bah, je reviens au tout début. Ah oui, d'accord. Et en plus, l'électricité rose, ça me fait fondre et passer dans le sol. Mais ne remonte pas les escaliers. Bon, on peut plus passer là en fait. Oh, je sens que ça va me faire chier. Et là-bas, on n'a pas essayé d'aller là-bas. Ok, c'est peut-être pour ça. Genre c'est fait exprès que des fois tu te fasses électriser pour ça changer le chemin. Non non, c'est juste de la merde non. Ça. Bon là ça sert à rien, on ne pourra pas passer. Ah j'aime pas ce qu'ils font avec la perspective. Je pense que c'est fait exprès, c'est genre comme les tableaux. Relativity. Par exemple. Parce qu'il y en a plusieurs des comme ça. Mais... Bah le plus connu c'est celui de Escher. Mais là c'est trop cohérent pour être une référence à Escher. Et par contre c'est ce truc là je vois pas à quoi ça sert. J'avais raison en disant que ce jeu était aux chiottes. Il était des chiottes mais non. Même si c'est vrai que là ça a le code couleur du jeu de canalisation de Bioshock 2. Donc il y a un cousinage entre les canalisations. Je t'ai jamais demandé d'aller là, espèce de débile. Alors, 1, 2, 1, 2, ok. Suivant. 1, 2, et on avance. Voilà. Ok. Quoi ? Et d'où j'ai été touché là ? Putain, super, faut tout recommencer. Mais d'où ils sont dus que c'était une bonne idée de tout nous faire recommencer, quoi. Putain, je vois même pas en quoi j'ai été touché par l'électricité, en plus, là. Oh là là, mais c'est chiant. Pourquoi ils se sont dit que c'était une bonne idée de te remettre au début ? Le jeu intelligent d'AIX comme Heroes 3. Quel rapport ? Je vois pas le moindre rapport entre le stream, le jeu et Heroes 3. Attendez. 1, 2, on y va.
Mais non, je suis désolé là, je suis pas en face. Putain, mais... Ah oui, c'est assez tight quoi. Mais regarde-moi cette connerie quoi, faut tout refaire à chaque fois. Limite, il faut que je fonce en... Voilà. Voilà, on fonce. Suivant. Alors déjà... Ah, genre c'était... C'était calculé pour que tu puisses y aller d'un coup. Bah oui, mais même, en fait, la hitbox était mal foutue. Mmh. Ok, là, donc là, je ne peux pas y aller. Et là, si je vais tout en bas, ça me met où ? Ah ouais, mais je peux aller où avec ça? Ça sert à quoi de me faire aller là? Ok. Bon bah, va falloir qu'on passe par le nouveau sol électrifié, je sens que ça va me faire chier. La vue isométrique est sympa par rapport au solstice. Ah putain, mais solstice c'est plus vieux. Solstice c'était... Alors super. C'est le jeu sur NES en vue ISO que Benzaï aime bien. C'était bien la peine de me faire aller là pour que le sol il s'effondre au final. J'ai bien aimé. Ah mais là je fais comment? Autre chemin. Ah oui, mais merde, là je peux pas. Je crois qu'il y a qu'un chemin où j'ai pas essayé d'aller. J'espère qu'il fallait pas aller activer un truc sur la console parce que là, faut que je fasse tout le détour. Ah ouais, en fait, je suis bien avancé là. Juste à cause d'un seul truc pour te faire chier. Je ne peux pas aller. C'est quoi ça? Ça servait à quoi? À quoi ça servait? Oula, j'ai pas compris là. Non! Mais espèce de con! Alors, parce que la hitbox c'est de la merde, il faut que je recommence tout. Ah oui, je vois où t'as cliqué. Le perso a décidé de continuer, quoi, tout seul comme un grand. Regarde le chemin de gauche. Ah mais gauche par rapport à quoi? Il n'y a plus le poids qui était à gauche justement. Ah genre ouais, t'as fait basculer le truc. Mais je me rappelle pas où il était, celui qui était avec. Et la console ne sert à rien, j'ai l'impression. Peut-être plus tard.
Je sais pas. Mais là, en tout cas, bah, je suis bien avancé avec mon poids qui s'est déplacé. Je vois pas l'intérêt. Bah, a priori, ça aurait. Ça a baissé ce poids-là pour enlever un qui bloquait un truc à gauche. Ah ouais, d'accord. Non. Non, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça a changé. Je sais qu'il s'est déplacé le poids. Mais moi ça m'a bah genre comme s'il y avait une balance et qu'il y avait deux poids et que comme celui de droite s'est baissé, celui de gauche ne te bloque plus. Mais je vois pas de quel autre poids on parle du coup. Je sais pas, mais il devait y en avoir un autre qui te coinçait au début. Oh c'est chiant. Où est-ce qu'il pourrait être ce poids qui me bloquait? Putain, j'arrive plus à revenir au début. Bah pour revenir au début, suffit juste que tu prennes un éclair, non? Mais oh, putain. Mais merde! Ah, je clique en dehors du jeu sans voir les bords du jeu, donc du coup ça me ferme la fenêtre à chaque fois. Non, vraiment le poids, je vois pas où il était. Ouais, on va se suicider un coup, voilà. Ouais, d'accord, c'était ça. Oh putain. Ok. Là, il y a un nouveau poids. On s'emmerde. Et si je vais là? Et si je vais là? D'accord. Et je suis pas mieux avancé. Il y a sûrement un autre moyen. Je suis vraiment pas avancé. Ah, c'est un levier ça? Bah, j'en vois un levier. Ça a ouvert la grille. Mais il y a un poids qui me bloque. Non, je t'ai pas demandé de monter, espèce de débile. Donc maintenant, faut trouver un moyen de passer là-bas et d'aller accéder au levier qu'elle a. Par la bouche du truc en fait. Ou l'inverse, parce que ça doit être ta destination la bouche. Je sais pas. Je sais juste pas. On va se resuicider un coup. Voilà. Ouais, faudrait passer par la bouche, mais je sais pas. Mais je pense que c'est plutôt ton objectif la bouche du coup. Mais... Et l'espèce de console là, je vois toujours pas quoi en foutre. C'est... Appuie sur la console et va revoir les trucs si ça a levé les deux poids. Bah, y'a rien qui m'indique que ça l'a fait, donc je pense pas que ça sert pour l'instant. Je sais pas, mais vu que c'est hors champ. Putain, mais. Vous le voyez pas, mais à chaque fois que j'ai le malheur de cliquer sur les bandes noires, bah, le jeu considère que je clique en dehors du jeu, donc il me ferme la fenêtre. Alors je vais vite sauvegarder avant qu'il y ait une catastrophe de sauvegarde. Après le jeu a la décence d'être en cloud. Oui, mais bon. Bon bah si ça a fait quelque chose, j'ai aucun moyen de le savoir. Hein. Allez, hop. Oh putain. Non, ça n'a rien fait. Alors, la console, pour l'instant, je vois pas à quoi elle sert.
Ça serait bizarre qu'elle ne serve à rien. Bah ouais, je sais bien. Oui, quand tu actives la console, il y a un petit truc qui s'allume en blanc, mais ça veut pas dire qu'on sait ce que ça fait. Bah, je vais retenter. Là, je sais plus ce que ça fait si je vais là-bas. Ah bah, il y a ça qui est bloqué. Enfin, qui me bloque. Ce qui est bien au moins dans ce niveau, c'est qu'il n'y a pas de personnage qui parle. Et ça, j'aime bien. Alors, la console, il y a des trucs qui s'allument visiblement. J'imagine le truc où vous disiez tout le long du niveau, en fait, t'as un remix de tous les trucs chiants de tous les autres niveaux. Ah, t'as les persos qui parlent en boucle. Ah bah tiens, j'ai activé des trucs. j'ai activé des trucs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se resuiciderait pas? Si, on va faire ça. Salut Xenom. Salut à toi. Ouais, on va complètement se resuicider un petit coup, voilà. Et on va aller là-bas. Elle a dit que c'est quoi le plus chiant, ce niveau ou le premier Deus Ex? Bah ce niveau, parce que moi j'aime bien le premier Deus Ex et tu dois te confondre. Non, je m'amuse quand même beaucoup plus que sur Deus Ex. Oui mais il doit confondre de... parce qu'il a dit à Elix. Si vous arrivez encore à nous confondre, je peux plus rien pour vous. Donc là on passe ici. Et là on active le levier. Ce levier verrouille la grille. J'ai dû louper les lives, je comprends rien. Je pense que même si t'avais pas loupé les autres lives, tu comprendrais quand même rien à ce passage. Et là on peut passer dans la bouche ou pas? Oui. C'est quoi? Bah oui. Le masque de mort de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Allez, prends son masque. Ouais. Ah, en fait, t'es sous Quetzalcoatl depuis tout à l'heure. Bah, je suis dans le labyrinthe, quoi. Mmh. Et bah, maintenant, on va aller l'affronter et c'est bon. Elle dit que c'est une voix plus forte que matériel. Ah bon? Bah, oui, il me semble. D'accord. En voix interne, c'est pas très probant, mais. Bonsoir, J. Félix. Salut à toi. Pauvre bébé, tu t'es fait mal? Je suis si contente que tu sois revenu. Chez moi? Bien sûr. Une référence à Jojo. Non, mais il n'y a pas que des références à Jojo partout. Tu voulais pas rentrer chez toi? Si, je voulais. Alors c'est bien. Doucement, Max. Tu es tombé contre la cheminée. Tu t'es cogné la tête et t'es un peu dans les vapes, c'est tout. Ma tête me fait mal. Je me rappelle l'avoir cogné. C'est ça, chérie. Tu t'es cogné contre la cheminée. Maintenant, ne pense plus. Dark War Gamer. De toi. Salut à toi. Non, je l'ai cogné. Non, je l'ai. Dans. Ma voiture. Non, bien sûr que non, chérie. Tu t'es cogné. Oui. Ma voiture. Je conduisais et les freins. Mais Max, on t'a attendu tout ce temps. Ne pars pas maintenant. Nous? Qui? Ben, moi et la petite Sarah, bien sûr. Qui d'autre, idiot? Mais c'est un poste. Sarah et moi. Sarah! Max est là! Ah! Elle a dit Max est là, mon dieu! Vraiment là! Tu m'as manqué! T'es vivante! Salut Adrigui, mais s'il te plaît, mets un Y au mon pseudo. Avec un I, c'est moche. Non! Tu es morte! Quelle horreur! Ah, c'est glauque! Mais elle s'est envolée, la gamine, elle planait. Mais c'est tellement glauque ce qui se passe! Ta résistance est remarquable, tu sais. Ton médecin me dit que t'aurais dû mourir dans l'accident de voiture.
J'aurais voulu que les choses se passent autrement, Max, mais... Ah, c'est glauque. C'est ainsi. Putain, mais la fille, elle a fondu, ça a fait bugger la mer. Choix, mon ami. Tu pensais vraiment que je resterais assis pendant que tu présenterais au monde... C'était quoi le vase? C'était l'urne avec les cendres de sa sœur. Non. J'ai trop travaillé. Trop pour laisser faire. Au revoir, Max. Désolé que ça finisse comme ça. Adieu. C'est le vase, c'était l'urne funéraire de sa sœur. Oula. Quetzalcoatl assassinant tout un village. Morgan essayant de me tuer. Je vois les connexions. Rien de cela n'est réel. Putain, le perso qui réalise à la fin que rien de tout ça n'est réel, quoi. Mais c'était qu'un rêve. Un pont d'épines. Aïe. Ah, c'est un mix de tous les niveaux qu'on a fait. Ah ouais. Un pont d'épines. Aïe. Et du coup, ton perso va changer de forme toutes les deux secondes. La poupée de Sarah. Ah oui. Qui suis-je maintenant ? Je dois me cramponner à ma véritable identité. Je suis Max. Ah oui, on peut se transformer en fait. Un pont d'épines. Une BD de une statue aztèque. Ah ouais, si on est la statue, on peut pas se faire mal aux pieds. Avec le pont d'épines. Voilà. Tu passes au milieu des épines et tu redeviens dans un autre personnage juste pour lui faire mal. Un socle vide. Quelque chose manque. Mais j'ai eu peur pendant une seconde, j'ai cru que c'était la fin en mode ah, en fait Max il est mort depuis le début mais il veut pas l'accepter. Non, je vais la fin que tu crains depuis le début en fait. Supporter mon poids. La poupée de Sarah, une statue, une BD de... Le poisson. C'est parce que j'ai lu poisson dans le chat. Non, le clown de l'angoisse. C'est quoi ça ? De l'énergie qui circule dans le sol. Ça semble dangereux. L'étoile n'arrivera jamais à supporter mon... Une statue, la poupée de Sarah. Oui, on peut pas passer là ? Une tête de pierre. Elle semble transmettre de l'énergie à la statue. Ses dalles par terre semblent pouvoir bouger. Il y a une énigme là, non? Et la BD, c'est quoi? C'est pour se remettre en Max? Ou le démon? C'est l'espèce de cyclope. Ah. Ah, mais cette énigme à la con, on l'a fait dans le niveau d'avant. Sans déconner, il se recycle. Ah, fallait bien finir le jeu. Oh là là, mais cette énigme on l'a fait juste avant et on a bien vu que c'était pas drôle. Mais... Elle est basée sur quoi cette énigme? Ah oui d'accord. Alors ça servait à quoi? Je suis pas assez fort pour déplacer cette chose. Ah bah faut devenir le cyclope là. Je crois. Oui c'est ça. Ah oui d'accord. Ok, c'est quoi? Un monolithe de cristal. Il y a quelque chose dedans. Un monolithe. Alors ok, il y a un monolithe, mais ça sert à quoi en fait? Un monolithe de cristal. Leurs gémissements me font mal aux oreilles. Faut décrocher les gens là. Ah. Je sais pas bien ce que je fais, j'avoue là. Ah voilà. La pièce de la statue de l'ange était prise dans le cristal. L'aile droite de la statue d'ange. Comment y arriver ? Mais allez ! Comment y arriver ? Quoi, je peux pas accéder au truc là ? Prends-le ! Ah voilà. Alors maintenant on redevient. L'aile droite de... Non. On redevient une petite fille. Et il va falloir placer l'aile d'ange sur la statue. Par contre, la petite fille, elle va pas vite du tout. J'ai l'impression que c'est le cyclope qui va le plus vite. Ouais, c'est possible. L'aile. C'est
Stupide, stupide. Les joies du PAL. Non. Mais c'est un jeu PC, il n'y a pas de PAL NTSC et compagnie. Où est-ce que je suis pas encore allé? Là, je suis pas allé. Ah bah c'est le monde des cyclopes, ça. Ouah, gros asticot. Qu'est-ce que c'est? Il faut que je coupe cette corde pour descendre ce morceau de statue. Drôle de machine. Il y a 4 leviers de contrôle. Qu'est-ce que c'est? What? Il joue sans moi le jeu là. Les larves se sont éloignées de la grille. Non, le supplice du pal, d'accord. Une grille dans le sol. Il y a un tunnel au-dessous. Alors maintenant, on se retransforme en petite fille et on va dans le tunnel. Je peux pas faire ça. Non. Je peux pas faire ça. Non. J'ai pas compris. Je peux... Et si on se transforme en statue aztèque? Mais sinon, oui, ce sont des gros asticots. Oui. Ah non, suffisait de faire ça. Ah, et maintenant, on redevient une petite fille et on passe dans le truc. Oui. Je suis où? Faut aller où là? Mais. Ah merde, il y a un chemin en épis. Mes pieds si je marche dessus. Redeviens la statue. Comme ça, on se fait pas mal aux pieds. C'est tellement glauque cet endroit. Et là, va faire quoi? Ouais, mais c'est sûrement l'endroit. L'endroit le plus marrant à regarder, vu que c'est comme c'est un espèce de gros pot pourri de tout le reste. Oui. Ça te rappelle tout le jeu. Ça ne va pas. La poupée de. Jure, il faut que tu habites cette corde pour descendre. Mais tu peux pas couper la corde, la bouteille? Bah non, j'ai rien pour couper. Non, j'ai rien du tout. J'aurais cru que le cyclope puisse le faire à main nue, mais il veut pas. Bah je pensais aussi, mais... Non, il faut que je revienne avec... le socle. Non. L'aile droite. Faut que je trouve un truc coupant. L'aile de la statue, elle coupe pas. Non, j'ai essayé, mais non. La poupée de... Non, les hommes, je ne pense pas que ta vie se coupe. Tiens. Cette machine génère un bruit étrange. On dirait un brouilleur quelconque. Bon bah on va. C'est pas grave. Ah, il bug. Alors, où est-ce que je suis pas encore allé? Là, le portail, est-ce qu'il est ouvert? Porte solide. Ça, on peut pas l'ouvrir. Je risque d'être surpris. Je risque surtout d'être triste pour toi si ta vie est tranchante. Tu risques de pas pouvoir en faire grand chose. Pour sonner la cloche. Je l'ai eu. Ouais, si on rentrait dans la bouche démoniaque. Pourquoi ces dents font des éclairs de couleur? En plus, c'est hyper rassurant. Ah oui. Je vais pas mettre ma main dans le feu. L'aile droite. Allez. Non. Quoi? Faire quoi? Tu peux pas arracher une dent? Bah j'essaye. Non. Je comprends ouais, pas. Elles font une suite de couleurs, mais... Qu'est-ce que c'est que ce genre? Ah, faut le faire dans l'heure, dans l'ordre. Oh, c'est chiant. Ils aiment bien faire les choses dans l'ordre depuis quelques niveaux. Oui. En même temps, ça faisait une énigme simple à coder à l'époque. Le nez du clown est tombé. Maintenant, il y a un petit. C'est sûr que c'est plutôt récent les énigmes où tu dois placer les bons objets avec les ombres portées qui font le bon motif. Mmh. Le nez du clown se casse et révèle un petit trou. Maintenant, on se retransforme en petite fille, c'est ça? Ok.
C'est quoi ça? Ah, c'est un bout de la statue, ça. L'aile gauche de la statue d'ange. Parfait. Bon, par contre, je suis bien avancé. Je n'ai toujours pas de quoi couper la corde. Je suis désolé s'il y en a qui ont la phobie des clowns. Hein. Les clownophobes, ils sont en PLS. Une statue à... Où est-ce que je suis pas allé? Je peux même pas placer les ailes de la statue d'ange. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est que t'aies besoin de trouver un objet annexe pour couper le truc, parce que apparemment... Bah y'a pas besoin, oui. Ouais, normalement t'es... Mais là, je sais pas quoi te dire, hein, c'est... Le truc en haut à gauche, c'est le... C'est le boss Twitch, c'est juste la personne qui tue le boss en faisant un sub ou un don au bon moment. Ou qui donne le nombre de bits de, par rapport au point de vie, devient le boss et il y a son avatar et son pseudo qui apparaît à gauche du stream. Une hutte étrange. Une hutte. Et tu peux pas utiliser la gamine et genre descendre comme sur un mat de pompier pour faire tomber le truc? Il faut que je coupe cette corde. Non, il me dit qu'il faut que je coupe cette corde. Une hutte est... Non, à mon avis, il me manque vraiment un objet pour couper ce truc. Mais c'est bizarre. Et tu peux pas arracher le truc du sol. Non. L'aile gauche de la statue d'or. Une statue. Un morceau de vitre. Peut-être. Prendre une des épines. Une baie. Après, je pense pas qu'une épine de ronce, ça soit tranché. Non. Là, je peux pas. L'aile d'une statue. Si je sais pas moi-même, c'est quand même du spoil. Bah non, si tu suggères des trucs alors que t'as pas la solution, c'est pas du spoil, non. Mmh. Par contre, si tu trouves tout de suite la bonne solution, on peut te suspecter, mais... comment on se tire? Je vais essayer de revenir un peu en arrière. De toute façon, le niveau est petit, tu vois. Pas... Oui, ça va. Mais je suis étonné qu'on puisse pas prendre une des dents du clown quand même. Ah, ouais, je suis pas allé là-haut. Les citrouilles semblent s'éclairer. Mais ils ont pas marre de cette énigme à la con? Sans déconner, c'est la quatrième fois qu'on a une énigme pareille. C'est pas ça. Oh putain, mais ce recyclage de l'enfer. Ouais, là, tu sens que c'est un des derniers levels et qu'ils ont fait de la durée de vie vite fait à la fin. Quoi. Les citrouilles. J'avais pas vu l'espèce de crâne au-dessus. Ok. Si, oui. Il y a un œil par terre. Bah oui. Qui est l'œil de la jaquette, j'ai l'impression. Il y en a partout des yeux. Un squelette humain. Bon bah j'ai. Je voulais vous demander si je peux créer une playlist des salades sur YouTube pour les mettre dans l'ordre sans les bonus.
Bah y'a pas besoin ça. Il y en a déjà. Bah enfin, tu peux si tu veux, mais c'est. Normalement il y en a déjà une. Une cage à oiseaux. De la vapeur qui s'échappe d'un trou dans le tuyau. Il vénère le synchrone, le synchrone qui nous sauvera de l'apocalypse des licornes oranges mangeuses de sacs en plastique. C'est vrai que c'est un fléau. La pierre dit Jeda Driscoll. Une cage à oiseaux ou ça? Que me veut cette apparition sans tête? C'est qui celui-là? Que me veut cette apparition sans tête? Il voulait redonner sa tête? Ah ouais. Une crypte en pierre. Elle sort de la terre. Un couvercle en ciment. Ça a l'air lourd. Alors là, c'est une mission pour le cyclope. J'ai cru que c'était Toriel dedans. La tête de la statue d'ange. Pourquoi? De loin, tu vas voir. On va faire la statue d'ange déjà. La tête de la statue d'ange. Un pont d'épines. Franchement, on dirait un petit peu. Ah ouais, un peu. Ouais. Une statue. Bon, je suis toujours emmerdé parce que je n'ai rien pour couper la corde. Moi, je suis... Apparemment, il y a une machine. C'est Exa qui dit ça. Apparemment, il y a une machine avec 4 leviers. Bah oui, je l'ai utilisé déjà. Tu l'as déjà utilisé? Une baie. C'est bien Exa qui répète le même truc c'est toutes les deux minutes. Ah. Ouais, la machine avec les 4 leviers, je l'ai utilisé. J'ai rien qui coupe là. Et les leviers, ils ne coupent pas. Il non. Faut que je coupe cette corde pour descendre ce morceau de statue. Ouah. Ça a l'air d'être vraiment le dernier truc qui me manque, ça. Bah ouais. Un socle vide. Il n'y a pas un objet proche qui pourrait te permettre de... Genre pas un objet à ramasser mais un truc qui pourrait interagir à côté. Bah je sais pas, il y a les espèces de messieurs là qui sont sur les pics. Ah je peux les remonter d'ailleurs. Je sais pas à quoi ça sert mais je peux les remonter. Allez on va les remonter. Faut que tu les mettes dans la bonne hauteur pour que ça fasse descendre le... Je sais pas. Le truc ou que ça te donne le couteau sacrificiel. Oui, parce que ça change l'espèce de forme de l'ectoplasme au-dessus, là. Mais à part ça, ça ne fait rien. La poupe. Ça servira forcément à quelque chose, mais c'est étrange. Pendant une seconde, vous avez vu que vous aviez 20 000 viewers. Pas tout de suite, les 20 000 viewers. Oui, non, parce que là, même pour un Twitcher américain, c'est beaucoup. La France veut savoir. Putain. Très bizarre. Non, là, je vois pas. Bah, en théorie, t'as même pas besoin de ramener. C'est quasiment sûr que t'aies pas besoin de trouver un autre objet, vu que pour les autres, c'est tu pouvais pas. Enfin, t'avais pas à le faire. Bah oui, mais y'a tellement rien à faire au-dessus. Une griffe du clown. Sephiroth a une épée, lui. Ouais, mais il l'a pas sur le gif, on peut pas lui piquer. Je peux même pas, genre, piquer une épine, ouais. Et tu peux interagir que avec la corde, il pas avec le socle. Corde pour descendre ce... Bah on dirait, ouais. Une baie. Ah je peux rien faire quoi. Et je peux aller nulle part ailleurs ici. Attends, je vais aller voir la solution, voir si c'est perché.
faut que je coupe cette... C'est la tête de la statue, mais c'est mal. Ah, ça ne va pas. Le problème, c'est que j'arrive même... Je sais même pas dans quel niveau ça. T'es. Non, essayons. Ah. Une hutte étrange. Le poisson rubis. Et on est d'accord, le poisson, il a servi à rien. Attends. Je crains le pire pour la solution. Je suis en train de chercher, parce que c'est en anglais, donc il faut que je retrouve aussi le... Ça, tu l'as déjà fait. Couper la corde avec le pincher. Le pincher. Le pincher. Ouais, c'est une pince coupante en gros. Moi, faut que je trouve une pince coupante. La poupée de... Je sais dans... Je sais à quoi ressemble l'endroit où il est, mais je sais pas où c'est sur la carte. Ah. Apparemment, il est dans un truc en forme de ruche. C'est de rayon des honeycombs, quoi. Bah, c'est là où cette machine génère un bruit étrange. C'est pas là où je suis ? Je sais pas. Par contre, faut pousser les. Ouais, si ça a l'air d'être ça, faut les pousser pour trouver un. Oh, fallait cliquer une fois là-dessus, alors que c'est un élément du décor. Mais non, je suis désolé, non. Non, ça c'est un élément du décor, je suis désolé, quoi. Une mandibule. C'est nul, je déteste quand ils planquent des trucs dans le décor comme ça. Ah, c'est con. Alors, mandibule. Voilà. Tellement nul en énigme, mais quand en plus le jeu il aide pas comme ça avec sa logique de merde. Bah là c'était la logique des vieux point and click, c'est il faut cliquer partout. Il n'y a pas de logique. J'annonce, on prend les prochains jeux en live, c'est Adibou et Lapin Malin. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que tu serais capable de le faire. Lapin Malin, c'était trop bien, mec. Je connais pas. Ah merde, j'ai pas récupéré le truc qui est tombé. Je peux envoyer une image, bah si c'est pertinent, oui, attends. Alors d'abord le torse. Mieux, mais c'est pas fini. Mieux, mais c'est pas fini. Mais laisse-moi assembler toute la statue au lieu de dire ça à chaque fois. Mieux, mais c'est pas... L'aile... Bon bah voilà, ça a ouvert le portail. En fait, c'est pas qu'ils te laissaient pas placer les trucs, c'est parce qu'en fait t'avais pris la dernière pièce, la première pièce en dernier. Et le portail en même temps, c'est... La première qui se présente à moi, techniquement, c'est la tête. Je le sens. Oui, je sais exactement, vous voyez le lien, mais j'en ai plus. Parce que là même, il reste... il y a le portail et il reste un niveau derrière et c'est pas beaucoup. Mais non, ne va pas à l'escalier. Cinématique. Est-ce qu'on va connaître le fin mot de tout ça? Il reste un level et les mots clés de la phrase c'est puzzle et trois fois. Bon, on est à la fin du jeu quoi. Oui, il te reste plus rien à faire. Il te reste juste un petit level en fait. T'as fait du chemin, Max. Mais j'ai peur qu'il s'arrête là, mon ami. Et cela, t'en auras plus besoin maintenant. Tu as abandonné les enfants du monde comme tu as abandonné ta sœur quand elle avait besoin de toi. Tu n'as non, c'est pas le trois fois de les sauver, ni la force de faire tout ce qu'il faudrait. Tu
as déçu tout le monde. Comme je te l'ai dit de nombreuses fois, Max, tu as toujours été ton pire ennemi. Il faut que je traverse ces colonnes. La vraie vie se trouve après. Cette chose ne me laisse pas passer. Qu'est-ce que je dois faire ? Cherche la vérité. What ? C'est glauque cet endroit. What ? Ok. Faut pas que je touche le goudron. Faire quoi ? What ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Faut atteindre les orbes. Tu es vraiment un grand guerrier. Ah ouais, faut toucher les espèces d'orbes bizarres là. Mais putain, j'ai cliqué en dehors du jeu, merde. Ah, c'est chiant. N'en touche pas le goudron. Ah ! J'ai touché le goudron. Attendez, on se concentre. Ah merde, fallait sortir. J'avais pas vu que je pouvais sortir du goudron. Pourquoi se battre, Max ? Bientôt le poison de la race est maxime. Et tout sera fini. Mais je me suis fait bloquer par moi-même. Putain, ouh, j'en ai marre de ce jeu qui est faussement en plein écran. Et si j'attends là ? Oui. Et si je vais là ? Ah, fallait aller à gauche. Ah, il m'a empoisonné l'autre. Pourquoi t'es en train de mourir ? Bah, je suis sur mon lit d'hôpital. Et il dit bientôt le poison coulera dans tes veines. Ah oui. Alors là je suis bloqué. Ouais, on le voit à gauche, ouais. On voit le cathéter qui. Ah oui. Ça coule jusque dans tes veines. Putain. Ouh, j'en ai marre, putain. Ah, là par contre je suis mort. Ah, attendez, là j'étais pas mal parti. Attendez, là faudrait aller là. Là, on va tenter là. Une chance sur deux. Eh ben non, je suis mort. On recommence. Non, merde, c'est pas ça. Parce que c'est toujours le même ordre. Faut croire. Ah merde, non, non. Ah, je pouvais accéder au truc. Ah non, j'ai l'impression que c'est pas toujours le même ordre. Je crois. Ah, je sais pas trop. Ah, je crois que j'ai niqué le jeu là. Je crois que j'ai un petit peu abusé d'un bug. T'as marché en même temps une transition, non ? Oui. J'ai un petit peu enculé le jeu là. T'as perdu, Morgan. Ah, mais ça veut dire du coup, si tu te dépêches pas au début, bah tu te retrouves avec le poison dans le. Dans les veines et tu. T'as peut-être la mauvaise fin ou je sais pas. The floor is goudron. Tu sais que tu te condamner à l'obscurité éternelle, perdu pour ton monde, perdu pour ta femme, perdu pour ton enfant pas encore né. Ce cri. Non. Ah là, il est en train de se faire yameter. Ah, il a retiré le cathéter. Attends, j'ai rien compris. Et là, il se réveille dans son lit d'hôpital.
C'est fini. L'autre est content en mode ah, j'ai gagné, Max est mort. C'est fini. Terminé. Le docteur Jacob Morgan, qui dirigeait Mercy Drug Corporation, a démissionné. Cet événement survient quelques mois après que la société ait mis sur le marché son traitement pour le DNVA. Le successeur du docteur Morgan, Max Lawton, l'homme qui a découvert le traitement, n'a pas fait de commentaire. This is a test of the subject's threshold. Mais pourquoi Max et sa femme, ils ont accouché d'une espèce de cornichon avec une tête de bébé? Je sais pas. Ça c'est violent comme fin quand même. Ils avaient plus le temps. Mais je suis pas sûr d'avoir compris. Ah ouais, c'est vraiment la fin. Vous avez Franbo, non, je le connais pas. Donc le gars, il a trouvé un traitement révolutionnaire, mais ça plaisait pas au premier médecin qui, lui, ça remettait en cause son propre traitement, il voulait être riche avec ça. Donc, il a voulu destituer Max, qui a terminé ses recherches en 2-2, et il s'est barré avec dans sa bagnole, mais elle a été traficotée. Et donc, ouais, pour qu'il meure, machin. Et sauf que du coup... Mais j'ai pas compris, mais depuis le début, il est dans un hôpital en train de se faire soigner ou il a été remis à l'asile, en fait? Je me demande, en fait, s'il était pas dans une espèce de... Et en fait, depuis le début, il était sur son truc d'hôpital, là, avec la perfusion. Et il a fait une espèce de... D'introspection de fou. Ouais, et en fait, ouais, il luttait dans son espèce de coma et le poison, ça le rendait fou, on va dire. À mon avis, oui, il luttait contre le coma artificiel du poison. Et du coup, il a réussi à s'en dépêtrer et il est revenu. Il est revenu à ses esprits, quoi. D'accord. C'est quoi le mieux entre The Witcher 3 et ça? Bah, ça, au moins, j'y suis revenu plusieurs fois avec plaisir et je l'ai fini. Contrairement à The Witcher 3. C'est un peu violent comme fin, quand même. Je m'attendais pas à ce que ça arrive d'un coup comme ça. Après, le jeu est quand même relativement long. Oui, c'est vrai. Mais pour les prochains jeux qu'on fera, d'énigme. Ouais, parce que alors le prochain jeu qu'on fera en live, c'est au choix, c'est ou le nouveau Batman Telltale série, ou alors Little Nightmare, mais il faut que je fasse un test hors live, voir si ça passe bien. De manière, je téléchargerai les deux et sur le moment, on avisera de ce qui marche le mieux. Ses parents qui étaient dans le coma, mais le docteur Morgan qui avait déréglé ses freins de sa voiture pour qu'il soit tué, pour pas qu'il te donne l'antidote pour une maladie parce qu'il perdrait de l'argent. Oui, c'est bien ça, quoi. Alors Monkey Island, faudrait que je teste. Je vais voir s'il est pas trop cher à la limite sur Steam. Je pense pas. Mais c'est vrai que Monkey Island, j'ai joué à aucun épisode. Alors par contre, je te préviens tout de suite que souvent les c'est débile niveau les solutions c'est perché, ouais, des fois. Ah, mais là au moins on va rigoler. Je me rappelle clairement d'une résolution d'une énigme, je sais même pas dans lequel c'est. Mais en gros, à un moment, il te demande des trucs chimiques et faut mettre des céréales parce que c'est bien connu dans les céréales et les trucs chimiques. Je sens que dès que je vais arriver à cette énigme, je vais trouver direct parce que ça tu me l'as redit à chaque fois celle-là. Oui, bah c'est Monkey Island 2 est à 4€, donc le 1 doit pas être bien plus cher. Je verrai. Bon, en tout cas, c'était marrant. Tales of Monkey Island complète pack 5€. Ça va. Franchement, ça va. Je vais ouvrir un Tipeee pour ça. Oui. Je sais pas combien il y a de jeux dedans, mais. Sinon, Grim Fandango. Oui, mais je l'ai déjà fait en live, Grim Fandango. Par contre, il y a écrit français non disponible. Ah, ça c'est emmerdant par contre. Y'a pas une version française du jeu? Attends, je regarde Secret of Monkey Island. Secret of Monkey Island, y'a le français, c'est que le premier et il est à 4€. Ça doit être ça. C'est la version refaite? Spécial édition, ouais. Ok. Bon, bah en tout cas, on se retrouve prochainement pour un autre live. Je sais pas quand. Ouais. On verra un petit peu ce qu'on choisit comme jeu. Faut que je les télécharge déjà. Et... C'est sous le TM. Voilà, et comme ça on s'amusera en live. Oui. Voilà. Merci d'avoir assisté à ce jeu complètement fou, MDR.
Et je suis déçu quand même qu'on n'ait pas revu le disque. Un disque. Un disque. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.